Eh bien salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Fortnite. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas une sur la chaîne, parce qu'en fait il y en a une qui est prévue mais qui n'est pas encore sortie parce que j'ai déjà tourné, où on a fait un double top 1, enfin non, pas de spoil, enfin si c'est déjà fait, trop tard. Et elle devrait sortir, mais en fait je l'ai fait en partenaire avec quelqu'un, donc elle n'est pas encore validée, etc. Enfin bref, elle viendra normalement peut-être dans la semaine qui vient ou... plus tard, mais bon, vous verrez. Bref, alors aujourd'hui, en fait, on va partir dans le mode le sol est en lave. Je m'attendais pas du tout à vous faire une vidéo sur ce mode, alors que ce mode, il est super cool, même si on est globalement nul, hein, quand même. Mais il est super cool. En fait, je vous ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant sur ce mode, parce que au début, il était dispo qu'en duo, ensuite qu'en solo, après qu'en duo, et là, maintenant en section. Et en fait, je trouvais ça pas trop fun d'être en duo, et encore moins en solo. Donc voilà, là, c'est en section. Je sais pas pour combien de temps ça va rester en section, donc on va le faire à 4 avec Anto, Bloops et Kirua. Je suis pas en voque avec eux, mais une autre fois, une prochaine fois, on sera certainement en voque ensemble. Bref, je me mets sur prêt. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus pour les vidéos Fortnite. On va essayer de faire top 1, mais on garantit rien parce que je construis comme un caca, hein. ça effectivement, je sais pas si on peut dire qu'on construit comme un Bambi, parce que un Bambi ça ne construit pas. Bah alors voilà, effectivement, je construis comme un Bambi, effectivement. Enfin, je sais faire des escaliers, voilà, c'est déjà bien. Et le sol étant lave, on ne peut pas faire grand chose si on ne construit pas, hein. C'est ça le principe de ce mode. Mais il est trop bien, c'est ouf. Ça me rappelle quand j'étais gamin et que je jouais à sauter genre de canapé en canapé chez moi. Ouais, parce que des canapés, il y en avait 3000 dans mon salon. Non, il y en avait que 2, hein, mais bon, je sautais de canapé en canapé. Des trucs comme ça pour pas toucher le sol, parce que genre le sol était en lave et tout, genre tout le monde a joué à ça. Non, enfin, si vous avez pas joué à ça, vous avez pas d'enfance. Bref, les amis, n'oubliez pas aussi de m'ajouter en sponsor via mon code sponsor qui est écrit juste en dessous de ma caméra, enfin de ma tête, voilà, juste en dessous, je pense que vous le voyez. En fait, j'ai appris que le truc sponsor disparaissait au bout de 2 semaines de la boutique. Donc si vous m'avez mis en sponsor il y a un moment, et il y a plus de 2 semaines, et bah faut aller me rajouter. C'est pour voir si genre je suis toujours actif, en fait, ça doit être ça. Bref, allez, on y va. Y a-t-il du son? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Si. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de temps sur le jeu, mais si, c'est juste qu'il est super bas. Bon, ce skin-là, j'étais trop content quand je l'avais acheté dans la boutique il y a un bail, hein. Je l'ai pas acheté dans la boutique il y a genre 2 semaines, je l'ai acheté genre il y a des mois, hein, quand je joue encore à Fortnite. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, bah, maintenant je l'aime moins. À l'époque, je l'avais trouvé trop bien, je croyais qu'en plus, il coûtait 2000, non, c'était un légendaire, je crois, il était ultra cher. Et j'avais fait mon pigeon, et puis en fait, bah, bof. Alors, donc, ce mode de jeu, il est cool, sauf que, mince, non, sauf qu'il faut avoir de la chance. C'est-à-dire qu'au départ, et ben il faut réussir à récupérer du bon stuff. Il faut, on s'en moque des construits. Normalement des construits, t'as absolument pas besoin d'aller détruire des, enfin genre des monuments, etc. Parce que des construits, t'en as automatiquement qui revient dans ton inventaire. Regardez là, les construits ça monte tout seul. Donc en fait en théorie, t'as presque pas besoin de détruire des trucs de l'environnement. Par contre il faut avoir des bonnes armes, hein. Il faut avoir une faille, c'est pas mal. Des planeurs, ça te sauve quand même aussi la vie, hein. On va pas se le mentir. Enfin bref, ok, ça va. Faut aussi avoir pas mal d'armes à distance. Mince. Alors moi ça m'arrive tout le temps sur téléphone de tirer au lieu de... Bah, il est sérieux lui? D'accord, non, non. Ok, adieu. Ah, ça c'est Blue. Ça va, pas de soucis. Attendez, mince. Kirua s'est fait tuer, mince. Bloops, tu pourrais le finir? Le mec, il est où? Il est où? Il est là-bas, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh oh! Ça va? Ah, ça n'a pas fini? Ok, salut! y a d'autres mecs qui vont venir? Non, il n'y en a pas en haut? Non, ils doivent être en bas. Ils doivent être juste en dessous. Je vais prendre ça. Oula! Désolé, Kirua. Kirua était un petit peu tout seul. Je sais pas trop où d'ailleurs. Ah, sûrement en bas. Sûrement dans les étages inférieurs. On n'a pas pu faire grand chose. Il est pas encore mort? Il y a un bug, non? Il lui reste un PV. Comment ça se fait qu'il soit pas mort? Je ne sais pas. Ah, mais c'est parce qu'il est en train de se faire res par Anto. Ah, merci Anto, c'est sympa. Heureusement qu'il était là. Ah bah voilà, parfait, ok. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Il y a toujours des gens dans le coin. Je sais pas qui est en train de se fight avec qui, en fait. C'est assez... c'est assez ouf. Je ne range pas mon inventaire pour l'instant. Je verrai plus tard. Il faut aller les aider là. Ils sont où? Ils sont où? Là? Non. Et il a des planeurs, il a la chance. Ah tiens, une faille. Je vais prendre la place de ça.
Ils sont où les mecs? Je sais pas trop. Alors je joue sur téléphone, hein. J'ai reçu un nouveau téléphone et donc je joue dessus. C'est le Honor View 20 et c'est en 60 FPS, c'est magnifique. Genre, le jeu est déjà plus joli que sur Switch et en plus ça il est plus fluide, regardez. Genre, wow, c'est en 60 FPS, c'est trop beau. Bon, non, je vais pas vous donner mal à la tête non plus, mais on a fait combien de kills là? Que 2 kills? Attendez, c'est bizarre. Il y a d'autres mecs dans le coin. Je vais me faire tuer. Je vais y aller tout seul, je vais me faire tuer. Alors voilà, la lave est en train de monter. Anto, il se fait tuer d'où? Il est où, Anto? Il est où? Il est où? Dehors? Il est où, Anto? Mince. Je vois pas, c'est ouf. Comment ça se fait? Son pseudo, il apparaît nulle part. Bah, what? Ah, il est en bas. Ok. D'accord. Donc ouais, donc dans ce mode de jeu, la lave elle monte toute seule, et ce qu'il faut, c'est juste rester en hauteur et éviter la tempête et la lave, donc c'est un petit peu chaud, mais... Ah, ils ont un kit de soins, ok, pas mal. Ah, ça moi je veux bien, attendez, mais non, mais je veux pas un autre kit de soins, je m'en moque. Ça je veux bien. Ok, parfait. Ah, je veux bien le pistolet mitrailleur. Ah mince, non, bah ils l'ont pris, c'est pas grave. Alors... Ce serait peut-être mieux comme ça, mais attendez, mais j'ai des armes pas ouf. Hein. Ouais, j'ai des armes pas ouf. Il y a encore un mec. Genre, je le vois sur mon radar. Non, il est parti. Bah, je croyais voir. Tant pis. En fait, ça aurait été bien d'avoir genre une mitraillette ou un pistolet mitrailleur. Hein, c'est des petites potions, bon, c'est quand même pas mal. Ah, un coffre. Vas-y, Bloops. Ils ne m'entendent pas, hein. Ça m'arrive de leur parler, mais ils ne m'entendent pas. Non, je préfère prendre ça. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il a pris? Un bourlingueur? Je sais pas. Il y a aussi le nouveau pistolet à silex, là, qui est juste ici d'ailleurs. Elle est stylée comme arme, mais en fait, dans ce mode de jeu, vaut mieux pas la prendre, parce qu'en fait, t'as un retour, enfin, t'es repoussé quand tu l'utilises, et vaut mieux pas sur ce mode, parce que si t'es repoussé alors que t'es genre en haut d'une construction et que tu tombes dans la lave, ça va, tu prends pas de dégâts de chute, mais tu prends des dégâts de lave, et la lave, elle fait... Je crois qu'au début, elle faisait 20 points de dégâts à chaque fois, maintenant, elle en fait 15. Je vais pas garder les explosifs. Les explosifs, c'est pas ultra utile parce qu'en fait... Enfin, si, ça peut être utile pour péter des construits, mais pas ceux-là, en fait. C'est mieux d'avoir des bombes collantes, je trouve. Enfin, bref. Regardez sur la map. Voilà, la lave est en train de monter. Bon, faudrait aussi qu'on se fight un petit peu. Mais moi, mince, je fais que tirer au lieu de recharger, c'est ouf. C'est ça, insupportable. On a la zone, hein. On a de la chance. La zone va probablement être à Polar. Qu'est-ce qu'ils font, là? Pourquoi ils tournent autour de Polar? Mais qu'est-ce qu'ils font? Je vois pas trop ce que fait Anto, mais pourquoi pas? Il y a un mec dans le coin. Qu'est-ce qu'il a fait, Anto? Pourquoi il descend? Ah, c'est parce qu'il y a un mec, là, non? Je le voyais... Je voyais apparaître cette trace de pas, donc il y en a un qui doit pas être loin. Regardez comme c'est beau, la lave qui monte. C'est ouf. Ce mode de jeu, il est vraiment bien. Ah mince, j'ai fait 110 et après j'ai pas réussi à le retirer dessus. Bon tant pis, c'est pas grave. Il était tout seul. Ah mais il est pas tout seul. Il y a les autres membres de son équipe qui doivent être quelque part. Je sais pas. Ah ça je veux bien. Parfait. Alors les construits, j'ai déjà le max. C'est cool. Ah merci. Merci Kiroa. Parfait. On a toujours la zone. C'est génial. Je vais garder les bandages. On en aura probablement besoin. Ah les planeurs. Attendez, moi je veux bien les planeurs. Et je donne la faille, non? Non! Bon, ok, je prends la faille. Mais je saurais pas quand l'utiliser, en fait. Prenez-la. Attendez. Faut qu'ils la prennent parce que moi, je les entendrai pas, en fait. Donc je sais pas quand l'utiliser. En fait, à un moment, ils risquent de me dire « Utilise-la, utilise-la !» Et moi, je serais là « What? J'ai pas de micro !» Mais ouais, vaut mieux que ce soit qu'ils l'aient. Comme ça, ils sont plus synchro, c'est mieux. Bref, allez, on remonte. Regardez, c'est magnifique! C'est ouf! Genre cet effet de lave et tout. Genre je sais que ça fait un petit peu cheap. C'est vrai, ça fait un peu cheap. Mais je trouve que justement ça fait le charme. Genre je trouve ça stylé comme ça en fait. Je trouve heureusement que c'est pas justement réaliste avec des vagues ou je sais pas quoi. Enfin de toute façon je sais même pas si ça fait des vagues la lave. Mais enfin non, mais ce qu'il y a c'est qu'en fait la lave elle apparaît genre toujours au même niveau en fait. C'est pas genre elle se répand dans les cuves etc. Comme un vrai liquide, comme un vrai fluide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je trouve que c'est très bien comme ça. C'est très très bien. Alors,
Qu'est-ce que c'est? Non, ce sont des balles. Je vais prendre ça, j'ai de la place. Allez, on monte. C'est dommage qu'on n'ait pas de fort de poche. Là, ça aurait été parfait qu'on ait un fort de poche en plus. Il y a plus que 35 mecs en vie, hein. Une autre équipe a déjà fait 5 kills, pas mal, pas mal. Ils prennent de la constru quand même. Ah, moi j'ai déjà le max, donc non, non, non. Non, c'est juste qu'ils veulent faire nos constru. Wow, 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 wow. D'accord, s'ils me font tomber, c'est pas cool ça. Ah, what? Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Oui, Kiroa, j'en sais rien. Regardez, c'est trop beau. Il y a personne qui vient là, je vais me faire snipe. Vous allez voir, je vais me faire snipe. Regardez, il y a des gens qui font des construits comme ça. Attendez, là, il y a personne. En fait, il faut péter les construits des gens. Je sais que ça se fait pas de péter les construits des gens, mais là, c'est comme ça qu'on joue à ce mode. C'est comme ça, faut les faire tomber dans la lave. Mais pourquoi il n'y a aucune construit nulle part? Ils sont où les gens? Je sais pas, ils doivent être peut-être sur la montagne là-bas. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Je vois personne nulle part. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là, il y a des gens qui vont finir par arriver. En fait, c'est parfait. On a tellement la zone, en fait, que tout le monde risque de venir vers nous. Mais regardez, jusqu'à cette étape, on a la zone. Genre... Ah, il y a quelqu'un? Où ça? Ah, ils détruisaient des construits, c'est ça? Où ça? Où ça? Où ça? Non, il y a des mecs en bas. Ah, là-bas. Ils l'ont tué, je suis pas sûr. Non, je vois pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai vraiment peur de la chute. Hein. Là, c'est ce que je vous disais. C'est parfait d'avoir des planeurs en fait sur ce mode. Ça peut pas te sauver de tout, mais ça peut quand même te sauver de pas mal de trucs. Hein. Tu veux des. Quoi comme munitions? Qu'est-ce qu'il voulait comme munitions? Mince. Bah, j'ai pas vu Bloops. J'ai vu qu'il voulait des munitions, mais je sais pas lesquelles il voulait. Celle-là? Ah bah ok, quelqu'un lui a donné. Très bien. Parce que si c'était les petites munes, moi j'en ai, hein, je m'en sers pas donc. Ah si, je m'en sers. Non, ok, d'accord, c'est pas grave. Alors, il n'y a plus que 23 mecs. Ils vont pas tarder à construire, certainement, ceux qui sont là-bas. Allez, dans 1 minute 40, ça va bouger, je pense. Ah, là-bas, ça construit. Non. Allez. Pourquoi j'arrive pas à voir? C'est ouf! Comment ça se fait? Voilà, c'est bon, on les a fait tomber, parfait. Ah bah voilà, ok. Un mort de plus, le mec on l'a vu tomber, au loin. C'est exactement comme ça qu'on procède. Voilà, on a déjà 6 kills, il y a plus que 16 mecs. Est-ce qu'on va faire top 1? Je ne sais pas, ça dépend vraiment de la prochaine zone en fait. Mais dans tous les cas, on a quasiment toutes les chances d'avoir la zone. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une partie où en fait, il y avait ni Polar ni le volcan comme zone finale. Il y avait plus que de la lave à perte de vue. Et ça me rappelait en fait le monde de l'île de lave dans Super Mario 64. Eh mince, ils sont planqués là-bas. Faudrait les faire tomber là. Je sais pas si on peut. C'est bon. Ok, le mec il est tombé dans la lave. Salut. Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Il rebondit sur la lave, il est mort. Ok, il est mort. Parfait. On a déjà fait 7 kills. Mais faut faire attention, il y a probablement d'autres mecs. Peut-être par derrière. Non, par derrière. Par derrière, il y a rien. Ah, il y a des gens qui sont arrivés là. À mon avis, il y a des gens qui sont arrivés avec les constructs qui sont là. Hein. Ouais, bon, faut surveiller. Faut faire attention. J'ai trop peur de tomber, c'est incroyable. Je vais mettre ça là, j'ai trop peur. Quoi, ils sont encore en vie là-bas? Mais ils sont dans la tempête, les mecs. Attendez. Ah ouais! Et pourquoi j'arrive pas à détruire les construits là? Je fais aucun. Ah si, c'est bon. Allez. Mais attendez, ça les fait pas s'écrouler, non? Vas-y, faut tirer. En fait, ce serait bien d'avoir un meilleur snipe. C'est trop nul ce revolver, il sert à rien. Allez.
Toujours pas? Voilà, c'est bon, parfait. Ok, j'en ai tué un là, normalement. Voilà. Non, il a reconstruit? Mais sérieux? Sérieusement, le mec? Et il va mourir de la zone, là. Et il continue de construire. Waouh. Et il est mort. Il est mort. Ok, très bien. C'est dommage, c'est pas moi qui ai eu le kill, mais il est mort. Parfait. Bon. Là, là, on a eu trop de chance. On a eu la zone parfaite dès le début. Qu'est-ce qu'ils font, là, Anto? Quoi? Comment ils sont partis là-bas? Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas la zone. Ah, mais Bloops, qu'est-ce qu'il fait, Bloops? Qu'est-ce qu'il fait? Oh mince, bon bah ok, d'accord. Allez, je sais pas ce qu'il faisait, il était probablement AFK. Tant pis, c'est dommage. Bon, on n'a pas la dernière zone. C'est un petit peu dommage, mais on va faire top 2 là. Ah ouais, ils sont là-bas les mecs. Ça va être chaud, ça va être chaud pour finir. C'est dommage hein, parce que Bloops, il avait en plus il avait la faille. Mais bon, des fois... il a besoin de se déconnecter, hein. C'était peut-être l'heure d'aller se coucher, je ne sais pas. Non, attendez, il est midi en France, c'est pas l'heure d'aller dormir, hein, je rigole. Ok, on n'a pas la zone, ça va être chaud. Faudrait peut-être plutôt viser les mecs qu'essayer de viser les construits. Hein. Ah, là, on peut viser la construit. Allez, vas-y, tombe. What, what? On me tire par derrière? J'en ai éliminé un. Qui m'a tiré dessus? Ah, Bloops, il est là. Mais qui m'a tiré dessus? Je sais pas, on m'a tiré dessus par derrière, j'ai pas compris. What? De là-bas? Je ne sais pas. Bon, attendez, je me soigne. Ouais, mais il y a la zone. Ok, ça va être très chaud. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est chaud, il n'y a plus personne, mais là on est en top 2, c'est sûr. Là c'est facile de nous faire tomber. Hein. Je devrais pas construire en ça en fait. Ouais, vu que j'ai plein de construits, je devrais construire avec ça. Ok. On n'a pas du tout la zone. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire tomber? Je sais pas. Ah, il est là-bas, sérieux. Attendez, comment on pose ça? Comment je m'en sers? Je m'en suis jamais servi de ce truc. Mince, vas-y, je peux plus tirer? Je peux plus? Quand est-ce que je peux refaire? C'est bon! Ah, c'est bon! Ouf! Génial! Top 1! Mais what? Mais c'est le premier de... Enfin, c'est la première fois qu'on teste le mode de la journée et on fait top 1 direct! Et j'ai pas été si inutile que ça, j'ai fait 2 kills en plus! Ah, ça va! C'est trop cool! C'est mon deuxième top 1 sur ce mode, j'avais déjà fait un top 1 avec Prikari et d'autres mecs, mais j'étais mort dès le début, donc ça compte pas vraiment. Mais là, on a fait top 1 en survivant jusqu'à la fin, yes! C'est trop bien! Mais j'ai pas compris comment ça marchait ce truc, pourquoi je pouvais plus tirer? C'est la première fois que je m'en servais de la sentinelle, je l'ai tout le temps et jamais je m'en sers. Et en fait, c'est ouf parce que sans... D'accord, je suis en train de cramer, mais en fait, sans ça, j'aurais pas pu... Ah ouais, ok, genre, il y a toujours la map qui est normale sous la lave. Mais ouais, sans la sentinelle, j'aurais quand même pas pu détruire la plupart des construits, donc j'ai quand même contribué à la fin, faut le dire. Non mais c'est ouf, c'est incroyable, je suis trop content. Et voilà, on a finalement fait top 1 sur le mode de la lave, enfin du sol étant lave sur Fortnite. Ah, c'est trop bien, il est cool ce mode. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe à combien de... d'XP j'ai gagné. En tout cas, merci à Anto, merci à Bloops, et merci à Kirua pour m'avoir... Enfin, pour le top 1, hein, quand même. Hein, on a fait tous les 4 top 1, donc merci à vous tous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce mode de jeu. Moi, je l'adore. Bon, je pense qu'il est effectivement tout à fait temporaire. Hein. J'arrive à bien avec le thème de la saison, avec le volcan, avec les pirates, etc. etc. Genre les îles tropicales, etc. Mais genre, à mon avis, dans la semaine prochaine, il va certainement disparaître, c'est un petit peu dommage et je pense qu'il reviendra jamais, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Bref, n'oubliez pas de laisser plein de pouces
pouce bleu pour cette vidéo sur Fortnite Battle Royale. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner. Sachez que si vous voulez jouer avec moi à Fortnite, je joue parfois avec des gens sur mon serveur Discord. Dans la description de la vidéo, il y a le serveur Kirbendo. Discord, c'est un logiciel qui vous permet de discuter. Vous pouvez discuter donc avec moi et avec d'autres gens de la communauté. Il est disponible sur téléphone, sur PC, etc. Donc le lien de mon Discord est dans la description de la vidéo. De temps en temps, je suis toujours connecté dessus en ce moment, quasiment tout le temps, hein, presque genre 14 heures par jour. Et je lis les messages, je réponds pas forcément à tout, bien entendu, mais je lis la plupart des messages. Des fois je vais en vocal, c'est souvent tout le matin d'ailleurs que je vais en vocal, mais certains vous le diront, hein, des fois j'arrive, genre il y a des gens qui sont en vocal et j'arrive et je dis « Salut !» Et les gens disent « Oh, y a Kirbendo !» Et oui, ça m'arrive. Donc ça m'arrive voilà, d'ajouter des gens pour jouer à Fortnite dessus. Sinon, essayez d'ajouter Kirua, Dreamanto ou Bloops, Edito pour jouer avec eux. Kirua, son pseudo, c'est quoi d'ailleurs? Parce que c'est pas ça, Kirua. Kirua, c'est... je ne sais pas. C'est ça, c'est Kirua78 underscore, voilà. Spammez-les d'invitations. Ça va leur faire plaisir. Surtout Anto d'ailleurs. Bref les amis, merci à tous. N'oubliez pas de me mettre en tant que sponsor dans la boutique de Fortnite. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !